C'est relou, je voulais pas assister à cette réunion, j'avais autre chose à faire, moi. Ta sœur, elle est beaucoup plus sage. Ras le cul d'avoir cet enfant, moi. Malek. Ah, vous devez être la mère de Ness. Mrs. Fire, je présume. Enchantée. Alors, je dois vous dire, je suis la prof de français, je me présente. Je dois vous dire, je suis outrée par le comportement de votre fils. Outré, vous m'entendez? Outré! Je lui rendais une de ses copies comme ceci, en lui donnant un 0 sur 20, parce que monsieur n'est pas assez intelligent pour comprendre autre chose et avoir une autre note que 0 sur 20. Et il m'a cramé la main! Il a cramé sa copie! Il a failli me brûler vif! Il aurait pu me tuer, cet enfant est un danger! Pourquoi j'ai pas avorté? Je vous dis, c'est un danger! Ah, c'est un danger! Il faut absolument que vous fassiez quelque chose, punissez-le! Regardez, j'ai encore des blessures à ma main! C'est une catastrophe! C'est un bon à rien qui ne sait rien faire! Il est nul en français! Nul, je vous dis, nul! Vite ma mère que je visais ta tête! Oh, il me fatigue, il me fatigue! Après ça, je me barre aux Bahamas! Tenez! Voici une feuille pour un hôpital psychiatrique pour gens avec des pouvoirs magiques. Celle pourra vous servir. D'accord, merci beaucoup. Tiens, chérie, un truc à cramer. Ouais. Later. Oups là, je suis tombée. Laisse-moi deviner, elle a pris de la drogue, cette prof. J'étais sûre que j'avais bien caché mon laser de personnel. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes la mère de Ness. Madame Fire, là. Alors je vais vous dire, votre fils est une âme d'artiste. Une âme d'artiste, je vous dis. Quand je lui ai demandé de dessiner avec le plus profond de son âme, il m'a dessiné une paire de boobs au plafond. En le cramant, le plafond. Une paire de boobs cramées. Ça représente bien sa fougue de jeunesse. Il est une âme d'artiste, une âme d'artiste. Comme quoi les meilleurs artistes sont toujours incompris. Quoi? Ouais. D'accord. Faire un sort bien. Moi. Faire un somme. Mais c'est quoi cette phrase de merde? Later. Bonjour, Madame Fire. Je viens vous parler à propos de votre fils. Je suis le prof de sport. Vous avez pu le voir parce que j'ai un ballon de rugby dans la main et un survêt de sport qui montre bien que je suis un prof de sport. Je dois vous parler de votre fils car il est très bon en basketball. Le seul petit problème, c'est qu'il faut lui apprendre ce que c'est qu'une balle de baseball. Hein? Ce qui tape la tête de ses camarades. Mais attendez, vous avez dit qu'il est bon au sport, mais c'est enfin une bonne nouvelle! Putain! Ouais, il frappe la tête de ses camarades au lieu de frapper la balle. Hein, quand même, c'est pas ouf. Je me demande un peu ce qui se passe. C'est suspect. Leur cerveau est si petit que je les confonds avec des balles de baseball. Après, il a pas tort, hein, le mien non plus, il est pas très grand. Ok. Je devais vous dire aussi, comment il fait? Il est nul à la course à pied? Mais quand je lui demande de faire un sprint, j'ai pas le temps de cligner des yeux, il est déjà à la limite d'arrivée. Bah, il s'était payant. Je sais pas si la magie existe dans cet univers, mais là, à part de la téléportation, je vois pas. Et c'est de la triche. Je dois vous rappeler, c'est de la triche. Et je n'accepte pas la triche dans mon cours. Ok. Oh, il a également dessiné une tub. Pardon. Des parties génitales masculines. De 30 mètres sur le terrain de foot. Il a cramé l'air pour faire un dessin d'une partie génitale masculine sur le terrain. Une partie de... Une bite de 30 mètres. Elle était magnifiquement bien dessinée, d'ailleurs. J'en peux plus de ce gosse. Ness, on avait dit, pas les pouvoirs dans l'école. Putain. Bon, pas les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Ness, réveille-toi, la convocation est déjà finie.